Bonjour et bienvenue au Tivo du lundi 1er août 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakhilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Tu es royal ». Oui, mon ami. Ne mendie jamais et déclare juste la parole de Dieu, juste ce que la parole de Dieu dit de toi. La Bible nous dit dans Apocalypse 5 au verset 10 « Et nous ont fait roi et sacrificateur pour notre Dieu et nous régnerons sur la terre. » Marc aimait, mon ami, beaucoup la parole de Dieu. Il était souvent taquiné par ses frères aînés pour cela. Le verset que nous avons lu dans Apocalypse 5, 10 était d'ailleurs l'une de ses écritures préférées. Et il s'est toujours qualifié de roi. Ses amis ne pouvaient pas comprendre pourquoi il marmonnait et se répétait toujours la parole de Dieu à lui-même. Il ne savait pas que c'était la façon de Marc de méditer sur la parole et de la faire fonctionner dans sa vie. Un jour, un de ses amis tomba malade, gravement malade, alors que tout le monde suggérait quel médicament prendre et l'hôpital où se rendre. Marc lui a simplement imposé les mains et a ordonné à la maladie de partir au nom de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé. Vois-tu, mon ami, l'attitude de Marc est exactement le genre d'attitude que toi également tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu. Il a fait de toi un roi et t'a donné la domination sur Satan, ses cohortes, la maladie, les démons, et sur toutes circonstances défavorables de la vie. La Bible dit dans Ecclésiaste 8 au verset 4, « Là où est la parole d'un roi, là est la puissance. » Comprends ainsi que, tout comme les paroles de Dieu portent et transmettent la puissance, tes paroles ont également en elles la capacité créatrice de produire pour toi une moisson de ce que tu dis. Alors mon ami, ne pleure jamais ou ne supplie pas Dieu de faire quelque chose à propos d'une situation. Au contraire, au lieu de cela, prononce la parole de Dieu rattachée au sujet qui te préoccupe. Et effectuer ainsi un changement dans la circonstance qui t'embête. Job, dans le chapitre 22, verset 28, a dit « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Alors mon ami, sors aujourd'hui et vis comme le roi que tu es. Dispense la parole et regarde-la se manifester. Sans hésiter, prends la parole et déclare-la. Et sois sûr qu'au fur et à mesure que tu déclares la parole, cette parole opère des changements dans tes circonstances, dans ton environnement et dans quelque situation qu'elle soit. Comprends, mon ami, que la parole de Dieu est d'une puissance. Mais pour qu'elle puisse agir, il faudrait que toi, mon ami, tu la déclares en étant conscient que tu es un roi qui règne sur la terre et sur toute créature ou création qui peut se nommer sur la terre. Alors, en tant que roi, tu te dois de prendre ta responsabilité et de diriger ton royaume. Au travers des déclarations que tu vas faire de la parole de Dieu.
Parle la parole sur tes circonstances. Parle la parole sur ta vie. Parle la parole sur ton entourage. La nation où tu vis, déclare la volonté de Dieu. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu parles et que tu déclares, toutes les circonstances vont s'aligner en conformité avec ce que Dieu dit. Comprends, mon ami, que Dieu a besoin de ta bouche pour établir son règne sur la terre. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Matthieu 18 au verset 18, mais également dans Romains 5 au verset 17. Mais avant, prions ensemble. Cher Père Céleste, je te remercie pour la révélation de ta parole à moi aujourd'hui. Je règne comme un roi selon ta parole. J'opère des miracles et j'accomplis des merveilles au nom de Jésus. Aucun obstacle ne peut se dresser contre moi avec succès, car j'ai saisi l'autorité qui m'est conférée en Jésus-Christ. Alléluia! Mon ami, laisse tes paroles être puissamment effectives pour établir le royaume de Dieu. Dessine tes circonstances et surtout manifeste ta royauté. À demain.